Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. S'il vous plaît, merci. Nous sommes ensemble une petite heure, si tout va bien, jusqu'à la fin de l'émission. Une émission très, très chargée. C'est la dernière, c'est pas facile. On va en chier, il y a beaucoup de trucs. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui a un petit peu le trac, qui est derrière là-bas et qui chie dans son froc, n'ayant pas peur des mots. Mesdames et messieurs, faites un accueil très, très chaleureux à Christophe de Chavon. Mesdames, messieurs, la Chabanne, accueille chaleureux pour la Chabanne, et voici les malheurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et voyons, on est très contents de vous voir. Et c'est la dernière ce soir. Le coucou, c'est nous, on va fêter ça ensemble, mesdames, messieurs, on a une petite heure. On m'avait dit, ça c'est à la fin, on m'avait dit. Hein. On m'avait dit à la fin. Hein. Ok. On avait dit à la fin. Merci. Chut. On va essayer quand même de la faire. Chut. Il faut qu'on enchaîne. Ok. Ah bah vous êtes beau. Voilà, c'est sur la main. Vous êtes beau maintenant. Mesdames, messieurs, tant flessé mal assure, j'ai une annonce extrêmement importante à vous faire. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Chut. Soyez gentils avec les hôtesses, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, on va se calmer 2 minutes. On est ensemble pendant une petite heure. Il nous reste donc cette petite heure à faire, là. Eh oui, Christophe. Donc vous nous avez accompagnés, nous sommes absolument ravis. Chut. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, Berthier, 2 heures. Eh oui. S'il vous plaît. Ok. Alain, donc vous nous avez accompagnés. On a une émission extrêmement chargée, mesdames, messieurs, parce qu'on a essayé de vous faire de cette dernière une émission la plus complète possible. On va essayer de le faire ensemble, si vous voulez bien. Vous et nous, si vous voulez bien, merci beaucoup. Ce sera canon. Et nous allons rejoindre immédiatement, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze. Ouais. Patrice, table, vous rangez ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'essaye de ranger parce que... Non mais on range, c'est la dernière, on va ranger. Bah oui, on va ranger, mais enfin, faut ranger quand il faut ranger. On range tranquille, on va s'asseoir. Bah, monsieur bon. Oui, bah, bonjour monsieur Oui, mesdames, messieurs, monsieur Oui. Alors, monsieur Oui. Oui. Bonjour monsieur Oui. Vous connaissez monsieur Oui? Enchanté, très heureux. Vous connaissez monsieur Oui? Bien sûr, connaissez pas? Oui. Asseyez-vous, voilà, asseyez-vous monsieur Oui. Alors, dis-moi, Patrice, nous attaquons immédiatement le début de cette émission. Le début de cette émission, et c'est... Demain, c'est juillet, c'est bientôt les vacances. L'été, quel temps il va faire pendant ces vacances? Oui, mais avant, quel temps? Il vaudrait mieux savoir pour le dernier filet garni de la saison, qui, mesdames, messieurs, est un filet garni comme vous n'en avez probablement jamais vu. Probablement. Écoutez bien, ceci ou cela. C'est une devinette, merci beaucoup, on participe tous ensemble. S'il n'est pas droit... Vous écoutez bien, là, hein? Je suis tout oui. Parce qu'il faut le trouver, ça. S'il n'est pas droit ou franc, mon premier est fourré. On ne dit rien. Fastoche. Pour mon deuxième, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Mon troisième est founé, Landreux ou Tothérapie. Et mon quatrième, oui. Mon quatrième, non. N'est-ce pas, Patrice? Voilà. Et mon tout, ça se passe ce soir. Voilà. S'il n'est pas droit ou franc, mon premier est fourré. Pour mon deuxième, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Mon troisième est founé, Landreux ou Tothérapie. Et mon quatrième, oui. Mon quatrième, non. Et c'est donc mon tout se passe ce soir. Voilà. Patrice. Alors, monsieur, oui, très vite. La météo de cet été, comment savoir s'il va faire beau temps? Eh bien, le beau temps va se fournir par le soleil. Le matin, c'est... Car monsieur, oui, pour expliquer, excusez-moi, monsieur, vous nous interrompez, pour expliquer à Alain et aux gens qui nous regardent, si jamais est un flécé d'avreux, c'est que vous avez une spécialité, la météo, vous la lisez dans les légumes. Oui. C'est exact. Chut, et je vais vous demander un peu de concentration, car monsieur, oui, en a besoin pour lire dans je ne sais pas quoi, ce soir, de quoi s'agit-il, monsieur, oui? Bien, le matin, quand le soleil se lève, est très blanc, c'est signe de beau temps. Mais si c'est le soir, c'est signe d'orage. Si le ciel est blanc. Le soleil. Si le soleil est blanc. Le soleil est blanc le matin. Hein. Et sinon, si le soir, il est... Le blanc, c'est plutôt de l'eau le lendemain. Plutôt orageux. Mais et quelle autre couleur que blanc où il peut avoir? Il peut être jaunâtre. Mais c'est le soleil de l'été. C'est le soleil de l'été. Hein. Parlez bien dans le ski. C'est le soleil de l'été. C'est le soleil de l'été. Et alors, comment savoir avec la betterave, par exemple? Est-ce qu'on peut savoir? La betterave, il y a, quand le soleil il donne, mettons, 35-40, la betterave, et toutes les feuilles sont toutes fanées. Oui. Parce qu'il a fait soleil. Il a fait soleil, beaucoup, il manque d'eau. Et donc, quand la betterave est fanée, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud. Il y a du 35-40 degrés. Et le soir, vers 9-10 heures, les betteraves, les feuilles remontent par l'air, d'air frais.
Et ça veut dire que... Pas l'air fraîche, qu'il va pas tomber d'eau ce jour-là. Il va pas, il va pas tomber d'eau. Il va pas tomber d'eau. Quand le soir, l'air se rafraîchit, il ne tombera pas d'eau. Ah, et quand l'air... Mais quand l'air est très chaud, c'est sûr qu'il y aura de l'orage. Ah oui, là, c'est de l'orage, oui, d'accord. L'orage. Et quand il fait de l'orage, vers l'après-midi, vers 15-16 heures, il faut une heure après, il se forme d'une brume et des arcs-en-ciel. Ah ouais. Des arcs-en-ciel. Ah, ah. Sur le soir, ah, vers 5 heures. Est-ce que vous êtes, monsieur, oui, en mesure, en regardant vos betteraves, oui. Les feuilles, Alain, etc., est-ce que vous êtes en mesure de dire à peu près, est-ce que vous pouvez prévoir le temps qu'il va faire, en tout cas au mois de juillet? Parce que l'été sera chaud, quoi. Mois de juillet, ça sera un temps médiocre. 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 Et où que dans les coins à betteraves ou dans ou que ailleurs ça, oui, mais ça dépend. C'est, bon, parlez c'est bien. Parce que si. Oh là là, bah oui, on n'a pas expliqué ça. Le soleil se lève blanc le matin, on peut avoir. En Seine-et-Marne, on peut avoir une orage comme ils ne l'auront pas dans le Loiret. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez ce que veut dire cette sonnerie, en fait ? Cette sonnerie. Cette sonnerie qu'on vient d'entendre. Ce soir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va essayer de faire une émission extrêmement complète. On a donc multiplié le nombre d'interventions de nos camarades qui sont venus nous voir toute l'année, etc. Et donc, il faut aller très vite. Et dès que le temps est imparti, est écoulé... Et là, oui, on va entendre un son. Donc, il faut s'arrêter. Il faut passer maintenant à la rubrique suivante. Et ça, c'était d'une corde de brune qui annonce. Et est-ce que là aussi, au mois de juin, aussi, on a beaucoup de pucerons. Ah, beaucoup de pucerons au mois de juin. Si vous ne parlez pas dans les pucerons... Par la chaleur, on a beaucoup de pucerons sur les... Vous êtes gentil, monsieur, c'est quoi ? Merci, monsieur, oui, merci beaucoup. Merci, monsieur. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Excusez-moi, non... Là, c'est la société Congesca, là, c'est pour le déménagement du studio. Non, il va falloir me ramasser tout le bordel, monsieur, là, vous êtes gentil, excusez-moi. Comment ça ? Vous êtes gentil. Oui, gentil. Alain Chabois, Patrice, Alain Chabat, Patrice et moi-même sommes... Monsieur Chabois, oui, je le connais, monsieur Chabois. Tiens, monsieur de Chavannes, c'est de la part de toute l'équipe. Hein. Bon, bah, l'équipe des techniciens, on voulait vous offrir ça. Voilà. Par contre, monsieur Chabat, la loge, c'est pas un dépotoir. Vous me l'avez rendu tout mâché. Alors, je sais bien que dans le milieu de la télé, c'est ça couche avec n'importe qui, tout ça. Mais enfin, vous faites ça ailleurs. Hein. Faites pas ça chez nous, hein, d'accord ? Bon, si vous êtes gentil, si vous êtes chargé de l'entretien, du nettoyage et du déménagement, faites ça un peu sobrement. Nous sommes en direct. Vous oui, êtes mais enfin, gentil. Je sais bien qu'on est en direct. Moi, personnellement, je m'en fous. Hein, je vous le dirai franchement. Moi, c'est merci, toute l'équipe technique, disons. Bon, on merci, tenait à monsieur. Dire à monsieur en tout de cas, Cavannes, merci pour le travail. Vous êtes très que vous avez gentil, fait. Monsieur. Merci, vous êtes gentil. D'accord. Hein. Merci bien. Merci si vous voulez bien finir le rangement. Pour le rangement, vous voulez bien par là-bas. D'accord. Et encore merci, monsieur de Cavannes. Merci, c'est gentil ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bien, nous disions donc que nous entendions une corde de brume tout à l'heure. La corde de brume, Alain, signifie... Signifie que c'est fini. Signifie également la mer. La mer. La mer, les vacances. La mer, la belle mer, la belle mare. Pierre Belmar. Ah, Yachtman. Quel cycle naturel. Quel cycle. Quel cycle. Ah, là, mes enfants. Pierre Belmar, Pierre Belmar, chaque semaine est venu pendant ces années coucou raconter une histoire vraie. Ce soir, de quoi s'agit-il, Pierre? Attention, temps je suis yachtman à Fort Lauderdale. Yachtman à Fort Lauderdale. Et j'ai un magnifique yacht de 20 mètres avec plein de copains qui ont aussi des yachts de 20 mètres les uns à côté des autres à Fort Lauderdale en Floride. Et j'ai conseillé à mes copains mon fournisseur pour les systèmes de sécurité incendie. Et parce qu'il fait 50% le fournisseur de systèmes de sécurité incendie. Alors ils ont tous installé sur tous leurs bateaux les systèmes de sécurité incendie de mon copain à moi, Hutchinson, il s'appelle, Hutchinson. Ouais. Seulement l'autre jour, il y a Marcus qui est sorti avec 120 mètres, dehors il a pris feu, et rien n'a marché. Parce que Hutchinson, il faisait 50%, mais il n'installait pas les conduites entre les appareils. Ah. Si bien qu'on voyait les petits bitonniaux qui sortaient du plafond, mais il n'y avait rien derrière. Si bien que moi aussi je me suis fait rouler. J'en ai pour 50 000 balles, 50 000 dollars par bateau. Ah, ouais. Voilà, c'est cool, hein. C'était l'histoire du jour. C'était l'histoire du jour, c'est une belle histoire. C'est bien que ce soit la dernière. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Pierre Belmar. Ah, ça c'est la sanction. Ça c'est la sanction quand on est trop long. C'est la sanction. Quand on est un peu long, Pierre. Oh oui, j'étais très long. Vous avez été un peu long. Un peu. J'étais un peu long. Oui, celle-là, il avait fini. Il avait fini un peu épaisse. Après, hein. Non, celle-là était vraiment méritée. Hein. C'était une sanction méritée. Oui, ouais, vous avez été très vite. Oui, ça, j'ai essayé de faire le plus court. Hein. Mais cela dit, vous n'avez plus rien. Hein, donc non, vous bien pas sûr, mais c'était mes cheveux blancs qui se mélangent très bien avec les Merci mille fois. Pierre Belmar, avec encore quelques applaudissements, mesdames, messieurs. Et nous enchaînons immédiatement avec un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Le téléphone sonne. Alain, écoutez bien. Le téléphone sonne. Un coup de fil pour Alain Chabat. Oui, bah oui. Allô ? Oui, allô ? Allô, oui,
bonjour, monsieur de Chavannes. Bonjour, c'est le monsieur de tout à l'heure, là. Ah non, ça va pas recommencer. Vous êtes... Non, ben, on voulait vous remercier hein, avec toute l'équipe. Hein, c'est extraordinaire ce que vous avez fait pour nous. Je voulais poser une question. Il n'y a pas le rune, là, l'espèce de monsieur là, qui vient, le voyant. C'est là. Un monsieur, c'est un vrai monsieur. Monsieur Lieva, pour tirer une rune. Oui, c'est ouais, ça, c'est parce que j'ai un problème. Et après, attendez, monsieur, après, on ne vous entend plus. Oui. Ça, on ne vous entend plus après. Non, bah, voilà, très bien, mesdames, messieurs. Pour chercher des chaises quand même. Hein. C'est ça. Enfin, mesdames, messieurs, nous allons parce donc appeler. Pas à foutre, hein. Écoutez, vous êtes gentil. Si monsieur Lerune vient, je ne veux plus vous entendre. Mesdames, messieurs, Bruno Lieva. Lerune. Bonjour. Alors. Bonjour, Bruno. Nous sommes très, très pressés. Très alors, vous êtes gentil, vous posez votre question, monsieur, et ça sera la dernière de l'année. Allez-y, monsieur. Les chiffres de lettres, là, oui, je le reconnais. Oui, voilà, parce qu'on est toute une équipe, là, avec un collègue, là, on a fait un petit déménagement la semaine dernière. Vous êtes gentil de faire vite, il faut faire court. Monsieur, il faut faire court, il faut faire court. Comment, monsieur Il faut faire court, je disais, monsieur. Oui, monsieur Chabois. Avec un collègue, on a perdu, là, entre le boulevard Voltaire et La Nation, on a perdu un piano. Un piano. Oui, c'est pour ça qu'on est emmerdé. Attendez, merci, monsieur. Vous êtes droitier ? Oui, je suis droitier. Ouais, donc, vous êtes droitier. On a la main gauche. Trois rues vite. Sur vous, monsieur Chabois, hein, parce qu'on est dans la merde. Hein. Vous êtes gentil, vous parlez correctement, nous sommes en direct, monsieur. D'accord, ouais. Monsieur de Chavannes. Merci. Comment gentil. Trois rues. Trois, parce que... Trois rues. Et un piano, ça vaut cher. Attendez. Pas d'interférence, vous êtes gentil. S'il vous plaît, ça serait pas au niveau du numéro 44 ? Oui, 44. Ouais, parce que j'ai un pote qui s'est pris en pleine tête. Ouais. Dominique, infirmier à Lillers, oh, et qui cherche justement après vous. Alors, si vous pouvez vous manifester à la fin de l'émission, ça serait pas mal. Non, parce que là, je. Aïe, malheureusement, c'est trop long. Ah, bah oui. C'était trop long. Et c'est comme ça. Mesdames, messieurs, Bruno Lieva, qui nous a accompagnés. Et qui a trouvé des réponses tellement épatantes. Ah oui. Alors, la pub, pour tout. La pub, s'il vous plaît, la pub, là. C'est là la pub, là. On s'en fout, la pub. La pub. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette deuxième partie de Coucou C'est Nous, du dernier Coucou C'est Nous, en direct avec Alain Chabat qui nous fait l'amitié d'être ici. Juste avant d'enchaîner la suite, Patrice, une petite annonce. Vous pouvez gagner 100 t-shirts Coucou C'est Nous par Minitel. Vous jouez le 36-15 code TF1, rubrique Coucou. Il y a 100 t-shirts, 100 derniers t-shirts à gagner, c'est ça. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Faut se presser. Ah oui, enfin, faut se presser, ils peuvent rester jusqu'au bout quand même. Jusqu'à après. Ils voilà. Font ça après, pendant 20h. Non, je plaisante. Alors, Patrice, où en sommes-nous ? Ah bah, Muriel. Oh bah oui, Muriel, où en sommes-nous ? Nous en sommes là. Monsieur Muriel Cousin, s'il vous plaît. Muriel, régulièrement, est venue nous parler des humeurs des hommes, Alain. Elle s'est intéressée à ce qui nous était parfois le plus intime, vous et... Mais oui, mais la dernière fois qu'on s'était vu, un voilà, petit accident. Voilà, justement, j'étais très triste. Ah, c'est vrai que la dernière fois qu'elle était fois, là, je c'est vous quand avais Patrice frappé, a lamentablement vidé le tube de glycérine dans l'œil de Muriel. C'est ça, je vous avais supplié de passer avec Alain pendant des semaines avant, vous aviez accepté. Je me rendais bien compte que... Attends, je vous interromps deux secondes. Cette émission s'est déroulée pendant deux ans, un peu comme une course, tous les jours, à faire des choses, nanana. Et là, on a décidé qu'avec les trois réalisateurs qui ont travaillé sur cette émission pendant l'année, on allait faire comme un changement de pilote, un changement... Ah ouais. Deux pilotes, on fait pilote, en c'est pareil. En live. voilà. Changement de réalisateur. Alors, regardez, mesdames, messieurs, changement de réalisateur. Combien de temps ça met, c'est ça Didier Froli va quitter la régie, attention, top chrono. Didier Froli, vous quittez la régie. Jérôme Rebon reprend, applaudissements, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, erreur du bouton. Alors là, Jérôme Revant, aïe, 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 bah oui, il rigole, là, il rigole. Est-ce qu'on peut revoir l'action au ralenti, Jérôme, s'il vous plaît ? Oui, non, on ne va pas regarder cette action au ralenti avec la merde qui débarque, qui va durer. C'était impressionnant. Hein. Oui, magnifique. Impressionnant. Donc, Muriel déçu. Donc voilà, j'étais très déçue parce que vous aviez accepté que je fasse quelque chose avec Alain. Je vous avais supplié. De quoi je vous sentais parlez. Bien que Patrice était. J'étais un peu jaloux. Pas très chaud sur l'affaire, il faisait du blocage. Vous faisiez du blocage. Je fais beaucoup de blocage. Ouais. Il usait de son influence. J'avais imaginé un scénario incroyable d'envers Car, du attendez, décor. Pour remettre le décor, c'est qu'il y avait une scène de cinéma. Et voilà, c'est ça. Et tout ça, parce qu'en fait, mon but, c'était quoi ? C'était d'embrasser Alain. Quoi. Depuis toujours, j'ai voulu vous embrasser. On va se remettre copines, la scène dans les dans Et voilà les ce yeux. Qui s'est passé, en fait, pour vous embrasser. C'est la fin, mon amour. C'est la fin. Mais je t'aime. Dis donc, Alain. Mais tu es dingue ou quoi ? Applaudissements, merde. Vous avez pris un air dégoûté, là, très dur, je vous ai gaulé. C'est le jour où ma vie a changé. Moi, j'étais
j'étais. Un souvenir ému, Patrice, quand même. Il paraît. À ce moment-là, moi, j'étais chez les pompiers en train de me. Ils mettaient des trucs incroyables dans l'œil. Ah bon et... Les pompiers. Oui, ouais, depuis, j'en veux beaucoup à Patrice. Et donc, je suis vraiment contente d'être que vous soyez là ce soir parce que je vais pouvoir me rattraper. Ah, c'était. Chaleureuse. Chaleureuse. Alors, chaleureuse. Hein. Elle est chaleureuse et elle a du rouge à lèvres. Chaleureuse. Et ben, tu vois, j'aime mieux... Patrice. Finalement. Je sais pas, c'est les lunettes, peut-être. Oh, 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 c'était trop long, le baiser. Oh là là, c'était un peu long. Le baiser était un peu long. Le baiser trop long. Je n'étais pas au courant du tout. Le baiser était un peu long. Au revoir, Miss Farinette. Au revoir. Au revoir, Muriel. Applaudissements pour Muriel Cousin, mesdames, messieurs. Attention, un enchaînement tout de suite. Alain Chabat est parmi nous. Alain Chabat est parmi nous, c'est pour répondre bien sûr à nos questions. Oh là là. Mais pour répondre aussi à. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Il range. Attends, attends, attends. Alors. Alors ça recommence encore lui. Ah non, c'est pas possible ça. C'est de la part de toute l'équipe. Hein? Et puis on voudrait vous remercier encore une fois. Voilà, merci. Merci, merci, super. Vous êtes avec nous. On va vous débarrasser. On débarrasse. Messieurs, monsieur Périquet qui nous a amené les malades du PV. Et Raymond. Et voilà Raymond le cochon. C'est Raymond le cochon qu'on a interviewé. Il pue. Non, attends. Oh non, doucement, oh, excusez-moi. Doucement. Ah, c'est rien, c'est rien. Comment on tient ça, qu'est-ce que c'est j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais, monsieur de Chabat? Mais arrête, putain. Christophe, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Raymond le cochon. C'est Raymond le cochon qu'on a interviewé à la deuxième émission où était présente Chantal Lobby. Ah, c'est Raymond qui a grossi. Eh oui, c'est Raymond le cochon qui a grossi. Oh, mon gros pépé. Raymond, c'est pour ça que vous voulez. Bien, moi aussi. Une petite interview de Raymond, ça fait jamais de mal. Ça y est, me remonte. Là, non, Raymond, pas tu, Raymond. Tu es content de voir Alain? Tu es content? Oui, oui. Oui. Tu te rappelles de Chantal Lobby? Attendez, je vais vous l'arranger. Alors, je disais donc tout à l'heure, merci pour votre rangement, c'est très efficace. Alors, faut ranger les animaux, évidemment. Tout à l'heure, je voulais donc... Non, c'est pas possible, ça. Tenez, Alain. Non, je peux pas. Monsieur Périquet, il y a que Monsieur Périquet qui peut le prendre. Voilà, une fois qu'il est couché par terre, il sent pas du tout mauvais en plus. Et ça, qu'est-ce que j'en fais, moi? Je sais pas. Vous voulez pas... C'est une poule? Non, non, c'est une machine à laver. C'est une coque. Une coque. Tu connais Jacques Delaporte? Voilà, tu connais la pour ces magnifiques oiseaux qui nous a amené. Le spécialiste français. Le spécialiste français des volailles. La poule et du coq. Et des volailles. Je disais donc, quelques questions téléspectateurs. Oh, il y en a une qui a un bouton derrière la tête, on le voit là, une oie. Elle a un petit abcès derrière la tête, on dirait. Canard huppé. Ah, c'est canard huppé. Le fameux canard huppé. Au revoir, monsieur Périquet, merci mille fois. Nous allons donc prendre une question. Est-ce que tu connais la célèbre phrase de Jacques Delaporte sur les poules? Tu connais, non? Allez-y, non. On n'encule pas des poules sans casser des œufs. Tu connais cette phrase? Oh. Mignon. Soyez très attentifs, Alain. Parce que les questions s'adressent à vous. Ah bon, d'accord. Question pour Alain Chabat, coutume de cette émission. Vous avez voulu poser des questions à Alain. Chut, tout le monde est attentif, merci. C'est parti. Laquelle chose? Bonjour, monsieur Alain Chabat. Je vous ai vu dernièrement dans votre film et je regrette infiniment que vous ne chantiez pas plus parce que je vous trouve formidable. Alors, allez-vous faire... Merci, tata. Ah, c'est ma tata. Allez-vous faire un disque, je pense. Allez quoi? Non, on peut remettre la question, Allez-vous faire... Oh, dites-nous, on parlait un peu quand même. Bonjour, monsieur Alain Chabat. Bonjour. Je vous ai vu dernièrement dans votre film. Et vous aimez bien quand même. Et je regrette infiniment que vous ne chantiez pas plus parce que je vous trouve formidable. Alors, allez-vous faire un disque? Ça nous ferait tellement plaisir. C'est mieux quand c'est entier, la question. C'est mieux ça. Non, madame, je ne vais pas faire un disque. Il y a déjà un disque de la Carioca en vente partout. Absolument, on a vu des publicités à la télé. Un franc 20. Monté en à cap. Qu'est-ce que j'ai? Ah, d'accord. Oh, putain, elle pique un peu. Hein. Elle est forte. Taisez-vous. Alors. Non, je ne vais pas faire de disque, madame. Non, mais la Carioca, a cappella, un petit coup. Youpi, dansons la Carioca. Merci. Ah, c'est vrai qu'il est. Magnifique. Deuxième question pour Alain Chabat. Allons-y, bonsoir. Maître Prédement, pas du tout. Magnéto, question Magnéto, regardez. J'ai choisi le monsieur. Écoutez bien, monsieur.
je le choisis. Monsieur Alain Chabat, bonjour. Merci d'avoir donné au cinéma français un film novateur, drôle, humoristique. On n'avait pas vu ce genre de film depuis au moins de nombreuses années. Est-ce que vous pensez vous tourner maintenant vers le théâtre? Alors, je tiens à vous dire, Alain, que c'est un monsieur que nous avons rencontré dans la rue, sur ce que j'ai de plus cher. Oui. Tous ces gens-là, nous les avons rencontrés dans la rue. Non, monsieur, nous ne pensons pas nous tourner vers le théâtre tout de suite. Nous pensons tout d'abord refaire un retour sur Canal+, et puis ensuite quelques émissions spéciales, et probablement peut-être une écriture de film très bientôt. Eh bien, donc vous allez pouvoir enchaîner tout ça. Pas de théâtre tout de suite, non. Pas de théâtre immédiatement. Non. Très bien. Merci beaucoup. Une troisième question, allons-y. Oh, il se bat, il a piqué les fesses, dis donc. Mais oui, mais c'est. Une troisième, le coq, il a l'air. Regarde. Troisième question. Ça piquez-vous. Un chava en chinois signifie un petit soleil qui éclaire la nuit. Est-ce que ça vous correspond? C'est top. Ouais. C'est très joli en tout c'est cas. Top, ouais. Petit soleil qui éclaire la nuit. Voilà. C'est un petit peu quand j'ai mangé indien, tu vois. Est-ce que j'écarte un petit peu les fesses, tu vois, ça fait un peu. C'est comme ça. Mais dis donc. C'est ce que j'appelle petit soleil qui éclaire un peu la nuit. Ça me plaît. Un petit peu de poésie ne fait pas de mal. Une quatrième et dernière question. Allons-y, bonsoir. Allons-y, tout de court, on y va. On écoute. Allons-y. Mais Alain, où allez-vous chercher tout ça? Une question magnéto, donc. Une question magnéto de... Eh bien, on va chercher... En général, on va vers Arras, parce que c'est là qu'on les trouve. OK, merci Alain pour cette réponse. Merci beaucoup. Applaudissements immédiatement, mesdames, messieurs. Ils sont gentils avec nous, dans l'ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Hein? Les gens que nous avons interviewés, c'était leur question à eux, et tous avaient des questions Et en plus, positives. Ça a été personnalisé. Je sais, on a un truc ensemble. Franck Schlesinger, mesdames, messieurs, chaque semaine qui vient vers sa lettre. Alors, j'ai reçu une lettre de... Un petit peu d'attention. J'ai reçu une lettre de Jean-Paul. Je vous la lis. Jean-Paul Schmock. Bien sûr. Schmock. Lui-même. Schmock. Hein? Bien sûr. Qui écrit, il écrit mal, il faut trouver. Bon, cher coucou, ce matin, j'ai pris un taxi, il faisait une chaleur tôt... Ride. Tôt ou tard. Tolérable pour la saison. Ouais. Pourtant, j'avais les mains moites et l'arrêt... Au milieu. Et l'arrêt au port était encore à une heure de voiture. L'arrêt au port. C'est mal écrit. Je vous parle d'aéroport, c'est que j'ai pris la décision de rentrer à Paris. Dans l'avion, sur trois hôtesses, il n'y en avait qu'une de bénévoles. Oh, j'ai jamais bénévole. Elle faisait un stage pour se faire en quelque sorte embauché. Embauché par la compagnie. Mon voisin m'a cassé les coups. Les écouteurs. Alors, j'ai rien compris au film qui passait en V. Oh. Non, en V. F. En vidéo. En veilleuse pour ne pas déranger ceux qui dorment. Mais ceux qui d'ordinaire préfèrent lire. Aïe. Mais qu'importe, me voilà à Paris. Je veux la fin. Je vous écris d'un petit café et si je ne suis pas venu vous voir, c'est que je suis intimement lié avec la serveuse. Ah, là où je me trouve, j'arrive à voir sa cutie accumuler la vaisselle dans la cuisine. Cher Alain, elle veut vous rencontrer, elle est persuadée que vous avez la plus belle paire. Merci. La plus belle perception des choses de la vie. C'est vrai qu'elle est sublime, mais je vous préviens tout de suite, elle ne vaut pas la paix. La paire de suédoises que j'ai bénéficié, que j'ai bêtement perdu de vue. Vite. Voilà, cher coucou, bravo à Christophe de Chavannes, Patrice Carmouze et Alain Chabat. Et à l'inverse de ma mère, j'adore Alain Chabat. Voilà. Merci Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? J'ai encore monsieur. Ah non, ça recommence. Excusez-moi, c'est encore moi. Excusez-moi de vous déranger. Hein. Ouais, je sais qu'on est en direct. Oh, viens là. Oh non, ça recommence. Qu'est-ce qu'on fait de ça, monsieur de Chavannes? C'est le truc génial qu'avait fait le monsieur en moins de 3 minutes. Arrêtez. Et c'est solide, hein? Oh, oui, c'est solide. Arrête, hein. Arrête un peu. Non, mais... Monsieur, qu'est-ce qu'on en fait, arrêtez, ce truc-là? C'est ridicule, là. Qu'est-ce qu'on en fait? C'était votre portrait. Oh, mais arrête un peu, c'est ridicule. Pourquoi vous faites ça? C'est pas grave. Regardez, là, il y a trop de choses. Attendez. Je crois que si Bernard Bidis est en vacances, mais si on l'appelle, à mon avis, il a un truc pour réparer ça. Parce que Bidis sait réparer. Non, mais attends, réparer ça, il est explosé, le truc. Oh, mais c'est rien.
Bon, mais c'était pas beau, hein, tout Oui, façon. C'était mon tableau. Hein ouais. Non, c'était pas beau. C'était un tableau de Jean-Pierre Blanchard. C'est Jean-Pierre Blanchard qui avait fait ça. Il avait fait gentiment. Bélisse, bah ouais, il était en vacances. Bernard Bélisse, mesdames, messieurs. Bernard, comment on fait? J'ai fait une boulette. Ah, bah c'est pas J'ai une boulette. J'ai fait une boulette, Bernard. Je peux pas partir en vacances tranquille, hein. Vous êtes joli, Bernard. Qu'est-ce qu'on a fait, là, de cette croûte, là? Alain, Bernard, Bernard, Alain. Enchanté. Oh là là, je me dépêche parce qu'on a que deux minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait pas savoir hein? Ah, ah bah bravo. Ah, bravo Alain. Comment on fait pour réparer bah, ça bah vous venez par ici. Faut venir. Venez voir Bernard. En fait, on va prendre des petits bouts alors. Attention, attention. Ouais. C'est la fête. Hein. C'est la fête. Là. Et les poules. Hein? Alors, comment on fait? Est-ce que quelqu'un veut le nez? Il y a des poules partout, ramassez les poules, les gars. Mais pourquoi vous avez fait ça, sérieusement? Je suis pour rien, moi. Vous n'allez pas le réparer? Bah, non, on peut. Ça va, c'est pas réparable, laisse tomber, merci, c'est pas réparable. On va prendre la signature Jean-Pierre Blanchard, voilà. Très bien. On va pas s'en embêter avec des poules comme ça. Un pain qui va crescendo. Parce que d'habitude, vous faites des tours rigolos, hein. Ouais. Bah oui. Eh ben voilà, c'est et maintenant on peut enlever, on va faire on a le plus important là. Je ne crois pas ça. Je n'ai pas ça. Mais si j'y tenais. Il va être content monsieur Blanchard. Ouais, Jean-Pierre Blanchard qui avait fait ça en 3 minutes. Laisse-le. Ça l'a dit. Bah ben voilà. Mais et vous voyez il reste une minute. On peut plus le voir en peinture là. Il reste une minute quand même. Oui. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, ça y est, vous avez fini là parce qu'on doit déménager là. Non, c'est vrai. Voilà. Je voudrais pas vous presser là monsieur le magicien là, mais vous voyez, mais Approchez. J'ai pas eu. Non, la signature à côté. Oh, ça fait rien. Voilà. Oh, c'est pas grave. Non, faut la peau. Viens. T'énerve pas. Allons-y, Bernard. Bah, allons-y. Maintenant, on fait comme ça. On fait. Allez-y. Et parfois, ça marche. Mais en fait, c'est pas fait pour accommoder, c'est juste fait pour remonter le temps. Oui. Oh rien du tout à ces conneries. Là. Oui, et si on remonte le temps. Oh, ben ça. Oh merde. Eh ben voilà. Comment ça se fait? Eh ben voilà, ben il est revenu. C'est impeccable. Ah ouais, ça c'est un super tour. Ah hein, voilà. Jean-Pierre Blanchard. Tour de Bernard Bélisse. Bravo Bernard Bélisse, oh, merci beaucoup. Ça pour une dernière. Hein. C'est super. Canon, hein. Bah. Merci Bernard. Merci Bernard. Bah. S'il vous plaît. Un petit cadeau pour Christophe quand même. Hop. Oh, un petit pépère. Bah voilà. Non. C'est bon. Voilà, c'est bien. Ah, mais le lapin. Mais qu'est-ce que je peux faire du lapin? Le lapin, c'est la spécialité de Marc Giraud ici. Bonnes vacances, hein. En principe, c'est la spécialité de Marc Giraud, le lapin. Ah bon? Ah oui. Ah bah oui, c'est voilà, voilà Marc Giraud. Et Anne-Béatrice. Oh là, le voilà avec Anne-Béatrice, dis donc. Oh là là. Patin roulette, tout en patin roulette. Oh là. Oh, dites donc, Anne-Béatrice, je vous avais jamais connue habillée comme ça. Ah. Dames, messieurs, bonjour. Anne-Béatrice et Marc Giraud. Bien sûr, moi, pour petit lapin. On va se mettre ici. Qui est mignon. Ah ouais. Il est très mignon. Oh, oui. Écoutez, séquence si de. Anne-Béatrice, séquence. Oh là là. Patinage artistique. Et Marc Giraud. Si on veut. Patinage artistique aussi. Oh, regardez ce qu'elle vient de faire. Putain, elle a pas mangé que des pommes vertes. Hein. Ah non, puis pas que des roses non plus. Hein. Mmh. Alors, Marc. Alors. Bonjour. Ah, ça pue, oui, mais c'est pas Patrice, c'est ça. Non. Ça. Pour une fois, c'est pas moi. Oh la vache, dis donc. Eh oui. C'est laissé aller, mes mères. Alors, Marc. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous voir. On vient vous voir ou on vous laisse oui, faire? Oui, venez donc. Vous laissez patins derrière vous. Si vous voulez vous munir de patins. Oh là là. Oh, mais ça, on aurait dû nous le dire, on les aurait mis, les patins. Oh. Ça, c'est vrai que ça sent. Ah, ça sent, on va passer un petit coup de pied. Vous avez besoin d'aide? Alors, on vous suit, Marc Giraud, ça va bien? Comme ça, pouvez-vous nous faire nous dire quelques mots de ces énormes? Énormes! Ça, c'est un papillon. Et ça s'enlève. Ça, c'est un papillon, oui. Ça, c'est un papillon. Oui. C'est un papillon. Absolument. Oui. Un papillon géant, évidemment. Oui. Français. Et voici un essuie-glace, ici, là. Lapinologue. Ça va. Non, c'est à cause de la forme de son museau qu'on l'appelle papillon. Ah oui, attention, parce qu'il est. Il n'a pas encore fait. Hein. Ah bon? C'est 43. Il a un petit peu peur. On va le remettre avec sa copine. Ouais. Alors sa copine, c'est un bleu. C'est à nouveau, vous voulez dire? Un bleu? Non, c'est à cause de sa couleur. Ah bon? Oui, peut-être que la. Oui, c'est bien réglé, hein. Oui, on voit bien que c'est bleu. Donc c'est une fille? Je ne sais pas. Allons-y, avancez un petit peu. Et comment on fait ça? Alors là, je l'aide, parce que aussi, c'est moi qui l'ai initié au patin à roulettes. Alors quelques mots sur les petits lapins. Les petits lapins?
je suis un petit peu déconcentré. Ah bon? Oui. Excusez-moi. Attention. J'ai pas allez, tellement l'habitude. Je vais en mettre un aussi, moi. Avec un fond, c'est beaucoup. Ouais, un, il y aura. Alors, rapidement, rapidement, Anne-Béatrice, Marc Giraud, vous avez donc mêlé vos efforts pour nous démontrer quelque chose aujourd'hui. Eh oui, parce que c'était très important de passer en ayant l'air de, quand même, passer ouais, dignement. Moi, j'ai deux gauches. Bon, attendez, on va arranger ça. Et, ça se... Et vous avez mis deux droits? Non, non, j'ai Vous avez deux là? J'ai un gauche, un droit, moi. Mais non, moi, j'ai sorti de chaussons, surtout. Par contre, moi, j'ai pas de... Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ah ouais, ah ouais. Tombe bête, tombe bête. Ah, c'était bien vu. Putain, j'avais allez, pas allez, un bleu, hein. C'est un gris. Ah oui, c'est un gris, maintenant. Mais messieurs, applaudissements pour Marc Giraud, qui vient nous montrer une nouvelle fois des exemplaires incroyables. Et Anne-Béatrice, et Anne-Béatrice, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. On peut les enlever, les gars. D'accord. Alors, où est-ce que nous en sommes? Je ne sais pas. Où en sommes-nous, mais... donc, mesdames, messieurs, immédiatement? C'est que nous en sommes à sport favori. Alors, que pratique régulièrement Alain Chabat. Nous avons découvert en faisant une enquête qu'Alain Chabat s'entraînait le corps de manière à pouvoir assumer ses 24 ans. Et donc Alain Chabat, nous avons contacté celui qui vous entraîne le corps. Et nous allons immédiatement recevoir Jaïd, mesdames, Jaïd, messieurs. Applaudissements, le voilà. Ah ouais, ouais. Alors attention, Jaïd, c'est très glissant. Bonjour Jaïd. Bonjour. Jaïd, il est spécialiste de tout, du kickboxing, de la boxe t'es française, vraiment... de la boxe thaïlandaise, ouais, de la boxe thaï, 10 fois champion de France. Faites-vous un petit bisou. C'est un champion du monde. Champion d'Europe de boxe thaï. Ouais, ouais. Du monde, champion du monde de boxe thaï. Kickful. Kickful, freestyle, tout ce qui est pied-point. Full contact, champion du monde. Tout ce qui est pied-point. Et vous entraînez donc Alain et on voit. Là, c'est un petit nouveau, je m'occupe de lui, il est très très bon, on va voir tout à l'heure. On pourra peut-être faire une petite démonstration immédiatement. J'ai éclaté, Jaïd, chaque fois je vite m'éclate. Fait, alors. Bon alors, mesdames, messieurs, un sac. Vous avez besoin d'un sac? Il est là. Le sac est là. Vous enlevez la ceinture? Ah oui, c'est la ceinture de champion du monde, je vais la mettre. Il remet son titre en jeu de boxe taille en novembre. Il n'a qu'à le remettre ce soir, tiens, on va y en coller une. Il remet ce soir son titre en jeu. Alors, les gants. Alain, mettez les gants. Je suis pas chaud, je suis une pauvre chose. Oui, oui, non, mais mettez vos gants quand même. Quel Patrice, gants? Les gants. Où sont les gants? Patrice. Oui. Patrice, les gants. Moi, je suis pas sûr. Si. Oui, tout le monde doit mettre des gants. Ça glisse beaucoup. Allez-y. Alors, montrez. Comment, excusez-nous? C'est possible de tenir le sac bien. Ben, vous, par exemple. Je vais. Patrice, vous voulez tenir on le sac? On va s'y mettre à trois, si vous voulez. Et je peux pas, alors. Je suis blessé, moi. Ça va pas être de refus? Alors, allons-y. Allez. Allez, tiens, monsieur. Tiens. Vous voulez que je... Et moi, je tiens Alain, si vous voulez. Ça vaut mieux, ouais. Non, non. Alors, comment vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on... Ah oui, oui, attendez. Bah, descendons tous et on les pousse. On les pousse. Allez. Oh, ok, il faut les pousser. On est désolé, hein, c'est tout ça, c'est un peu... C'est collé. Non, c'est pas collé. Mais si, celui-là. Celui-là est collé. Ah, voilà. C'est lourd, hein. Juste eh ouais. C'est du tatami, ça. Ah bah. Allez, allons-y. Allez, Patrice, tenez le sac. J'aille. Allez, tenez le sac, Patrice. Allez. Comme ça? Tenez le sac. Non, non, c'est pas bon. Allez-y, Patrice, tenez le sac. Mais je vais... Voilà. Mais je peux pas, moi. Monsieur de Chavannes, qu'est-ce que j'en fais, ça? Ah bon? Oh, oh là. Chut, ce mec est dingue. Oh bah. Excusez-moi, qu'est-ce que j'en... Ah non. Oh, il fait un bisou à l'éléphant. Oh. Non. Bonjour. Bonjour Titi. Bonjour bébé. Mais il faut le ramener. Non, monsieur Chabat, c'était dans votre loge. Alors va falloir m'enlever ça parce qu'on est emmerdé. Oh là, calme-toi. Si vous voulez, parce que ça glisse. Qu'est-ce qu'on en fait, monsieur Chabat? Si vous voulez ranger, venez, Alain, venez ici, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Si vous voulez ranger les éléphants, vous êtes gentil, rangez-les vraiment. Non, excusez-moi, mais les éléphants, il faut les rendre au cirque Moreno, s'il vous plaît. Au cirque Moreno. Bah, vous me faites une facture? Oui. Eh bien, je vous la renvoie. Hein. Et tout. Monsieur Chabat. Hein? Dites-moi, monsieur, vous faites partie du cirque Moreno? Ouais. Oui. Vous travaillez avec les éléphants? Oui. Tournez-vous, monsieur, tournez-vous. Tournez-vous vers nous, venez, là, venez, venez. Viens, bébé. Comment on appelle les... Viens, bébé. C'est-à-dire, là, on est emmerdés, vraiment, hein, monsieur de Chavannes. Mais Cornac, vous êtes Cornac, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, votre métier, monsieur Moustachu, c'est Cornac. Voilà. Ah, c'est ça tout, non, non, mais vous n'êtes pas moustachu. Non, 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 non. Vous avez quelqu'un derrière vous. Hein. Ah bon, oh merde. Oui, oui. Oh, bonne chance. Alors, Jaï devait faire une démonstration, mais évidemment, avec les éléphants, il faut éviter les gestes de violence. On aura l'occasion de se revoir, Jaï. Jaï, il faut ranger les choses. Vous voulez ranger, vous êtes gentil. Je les mets où alors? Mais tu les mets à côté des lamas, tu vois. À côté des lamas? Oui, des merveilles. Qu'est-ce que je fais des autruches? Ah, les autruches. Qu'est-ce que je fais des autruches? Qu'est-ce que j'en fais? Tiens, mon petit, tiens. Oh, ma petite carotte. Viens, petite carotte. Voilà. Voilà. Ok, je les mets avec voilà, les lamas. Avec les lamas et les autruches, je vous ai dit. Monsieur Chabat étant zoophile, je voulais. D'accord, ok.
Et je vous les mets en. Ok. Je vous les mets en cage. C'est ça. On va y aller. Avec tous les animaux du cirque. Avec tous les animaux du cirque Moreno. Avec le reste. Allons-y. Merci beaucoup. Ok. Merci. Allons-y. Messieurs, la publicité, mesdames, messieurs, la pub. Mais on va se retrouver tout de suite après. Tout de suite après. Mais juste après. La pub. Mesdames, messieurs, nous voici de retour sur cette dernière partie de Coucou c'est nous, prêt quasiment pour la vacance, n'est-ce pas Alain? Yes. Hein, vous partez où Alain? Eh, je pars à Paris. À Paris? Ouais, Paris. Il va faire beau sûrement. Il va faire beau, ouais, médiocre d'après les betteraves. C'est pour, mais ça, bon. C'est pour ça que nous on est prêts. On a pris la tenue. Hein, pour aller prendre un petit peu de soleil, il fait très beau. Patrice, la réponse à la charade. La réponse à la charade. S'il n'est pas droit ou franc, mon premier est fourré. Pour mon deuxième, je suis heureux. Ouais. Je suis heureux. Mon troisième est Founet, Landreux ou Tautothérapie. Et mon quatrième, oui. Mon quatrième, non. Et mon tout se passe ce soir. Première proposition, bonsoir. Votre prénom? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur. C'est Antonio. Bonsoir, Antonio. D'où nous appelez-vous? De Pierrelaye, dans la région parisienne. Quel âge avez-vous, Antonio? 29 ans. 29 ans. Proposition. Le jour le plus long de l'année. S'il n'est pas droit ou franc, mon premier est fourré, le jour. Le jour. Pour mon deuxième, je suis heureux, je suis heureux, je suis le heureux, plus. Le plus. Mon troisième est Founet, long. Et mon quatrième, oui, non, désolé. Non. C'est pas aujourd'hui en plus. Pas du tout. Non, je peux avoir des pins, il faut des non plus, non. Non, nous sommes à court. Non. Désolé. Au revoir. Un petit bisou, non. Autre proposition, un petit bisou, oui, si vous voulez, oui. Oui. Hein. Un petit pins, un t-shirt, vous bougez pas, allons-y. Deuxième proposition, votre prénom. Oui, bonjour Christophe, c'est Stéphanie de Orléans. Un petit bisou également? Oui. Bien sûr, Stéphanie, nous vous écoutons. Quel âge avez-vous d'Orléans? Alors, j'ai 23 ans. 23 ans, vous êtes étudiante? Oui. En quoi? En sciences. En sciences. On a un spécialiste, nous, hein, de sciences. Hein. Oui, et on le verra tout à l'heure. Proposition. Stéphanie. Alors, il n'est pas droit ou franc ou fourré. Ça, je sais tout ça, ouais. C'est coup. 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 Parce que le coup droit, le coup franc, le coup fourré. D'accord. Ouais. Jusque-là, c'est bien. Pour mon deuxième, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Coué, la méthode de Coué, Émile. La méthode Coué, je suis heureux. Mon troisième est Founet, Landreux ou Tautothérapie. Alors, phytothérapie, Phi Founet ou Phi Landreux. Ou Phi Landreux, oui, c'est bien. Et mon quatrième, oui, mon quatrième, non. Alors, je pensais au ni oui ni non, ni. Ce qui nous donnerait Coucou est fini. Mesdames, messieurs, nous allons immédiatement, avant la vérification... Avant la vérification, il n'y a pas de vérification d'ailleurs. Avant la vérification, un changement de réalisateur en direct. Attention, top chrono. Qu'est-ce qui s'en va? Jérôme Revon s'en va, il laisse la place, mesdames, messieurs, top, comme vous voulez, Massimo Manganaro. Massimo Manganaro. Oui. Ok, commendatore. Ok, commendatore. Ah, oui. Formidable. Non mais, alors maintenant, mesdames, messieurs... Il n'y a pas de vérification. Je crois que malheureusement, c'est... Vous avez gagné. Parce que le coucou est fini. Coucou est fini, voilà, c'est tout ce qui se passe. Vous avez gagné, mademoiselle Stéphanie, vous êtes là? Oui, oui. Une boîte de préservatifs, bien évidemment. Plus un week-end au Sainte-Marie-de-la-Mer pour assister à la Feria du Cheval du 9 au 14 juillet. Plus vous serez hébergé à l'hôtel 3 étoiles L'Étrier Camarguais et vous participerez à toutes les manifestations de la Fiera, de la Feria H du Cheval. Et pour vous rendre au Sainte-Marie-de-la-Mer, nous vous offrons... Alors là, mesdames, messieurs, attention, nous vous offrons attention, quelque attention. Chose. Vous avez votre permis de conduire, Stéphanie? Oui, oui, bien sûr. Regardez, vous êtes énervée un petit peu, Stéphanie? Oui, elle est énervée. Complètement, là. Ben, vous attention, pouvez être énervée. Avez... Hein? Qu'est-ce qu'elle imagine à votre Alors, avis? Alors, c'est un dé à coudre. Ouais. Regardez le magnifique dé à coudre. Allons-y, le rideau comme vous voulez, les gars. Le rideau. Voilà. Ça s'appelle. Vous venez de gagner, Stéphanie, un cabriolet signé Ford, le Sunset Escort, mesdames, messieurs, équipé d'un moteur 1,6 litre injection. D'une direction assistée et d'un airbag, et d'un airbag conducteur. Et pour votre confort, il a une radiocassette à façade amovible. Capote et lève-vitre électrique, capote, verrouillage. Capote et lève-vitre électrique et verrouillage centralisé des portes. Ce cabriolet sera chez vous dans une semaine, Stéphanie. Joli. Pour votre départ, où ça? En vacances. En vacances. Où ça? En Camargue. Bravo. Oh, c'est vraiment Bravo. Génial. Voilà. Jolie voiture. Hein. Vous essayez vite fait? Allez, vite fait. Un petit tour. On va faire un petit tour. Ah, ils ont enlevé la clé, ils ont enlevé la clé. Ils ont enlevé la clé. Pas Patrice, enchaînez. Ils sont pas fous. Alors.
On arrive. Bon, d'accord. Alors, tout à l'heure, il s'est passé un événement exceptionnel. Il y a un garçon qui s'appelle Éric Bozio, qui est déjà venu sur ce plateau. Il est venu sur ce plateau, qui saute à moto. Il a sauté des bus, il a sauté tout ce qu'il voulait dans tout la vie. Ce qui bouge, ouais. Et là, il a sauté des choses qui bougent, c'est-à-dire toute l'équipe. Toute l'équipe, mesdames, messieurs, de Coyote, qui a préparé cette émission pendant 2 ans à nos côtés. Attention, regardez, c'était un moment tout à fait exceptionnel, Alain. Regardez. Éric Bozio. Voici toute l'équipe, mesdames, messieurs, beaucoup de filles. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les filles, pour les garçons. Toutes ces personnes, évidemment, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire, comme on est chez nous. Et regardez, car ça... Applaudissements évidemment pour toute cette équipe formidable et pour Patrice, ce garçon. Et pour Éric Bozio. Éric Bozio, qui nous a permis de faire ce magnifique. Elles sont courageuses, les filles, hein, mine de rien. Elles sont courageuses. Hein. Voilà, c'était absolument magnifique. C'était de bosser avec toi ou. Comment non, de bosser avec toi ou de. Oui, c'est ça, oui. C'est très courageuse. C'était magnifique. Patrice. Alors, je vais vous présenter un distributeur automatique de granules pour mon marcassin. Mais où est-il Où est-il le distributeur automatique de granules pour marcassin? Ouais. Où qu'il est, ça fait rien, vous avez quelque chose. De toute façon, vous aviez des marcassins, non? Il arrive le. Ben, il arrive le mettre en place, le garçon. Alors, c'est pas grave, on va. Sinon, je vous donne ça, c'est pour vous l'été, c'est pour vous. Chut, ici. Oh là, c'est chaud. Vous avez fer à repasser, de l'autre côté. C'est quoi? Ah, il y a fer à repasser. Sèche-cheveux. Ah, génial. Et même. Et grenades. Et tu te trompes, et c'est fait d'hiver. Et vous l'avez juste posé sur un truc qui a fondu. Ah oui, ça a fondu. C'est brûlant. C'est brûlant, donc ça ne repasse plus rien. C'est quand c'est taché que ça ne repasse plus. Oh là là, c'est un peu long, Patrice. Non, mais c'est le truc à marcassin qui n'arrive pas. C'est un peu long, Patrice. Non. Bon, bah, regardez ça. Vas-y. Ça, c'est pour faire des cocktails l'été. Oh là là, comment il va nous ruiner le costard, lui. Regardez ça, vous me le mettez là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'on vient de me donner, là, monsieur? C'est monsieur, un marcassin. On m'a donné ça. Ah, ça, c'est pour faire marcher la machine à marcassin. Allez-y, Patrice, allez-y. Vous voulez pas m'aider? Si, c'est ça. C'est pour quoi faire? C'est pour faire un coca orange. Un cocktail tout seul, monde, maintenant, vous appuyez. Bien. Regardez. Mettez ça dans la bouche. Oh non. Si. Non. Ah, si, il faut. Alain. Allez, attendez, n'appuyez pas trop tôt. Non. Attendez. Et le cocktail se fait immédiatement. Une invention de M. Villeneuve. Arrête du tout. Hop, regardez. Oh non, mais non. Attends. Hein? C'est bon, pas faire, bon, hein? Un coca orange, mais arrêtez. C'est pas bon. Alors, c'est une invention de Monsieur Villeneuve qui voudrait bien c'est exploiter rigolo, ça. C'est bien, c'est hein? Rigolo. Pour faire ces cocktails-là. Terminé, Patrice. Terminé. Nous enchaînons, mesdames, messieurs, immédiatement avec les sœurs Bormann et le professeur. Non. Avec le professeur. Oh, une nouvelle boule. C'est une nouvelle boule. Une nouvelle boule, oui. Ça, c'est formidable, ça. Vous en avez une autre? Oui. Ah, c'est surtout très agréable comme massage. C'est bien. Formidable. On avait déjà eu le plaisir de vous en présenter une. Mais c'est une nouvelle. On peut aller voir le professeur Yvain avec ça, si vous voulez. Bien sûr, on y va. Ah, allez, voilà. Allons-y. Allons rejoindre le professeur Yvain. Allons-y. Mesdames, messieurs, le professeur Yvain. Excusez-moi. Ça vient, ça. C'est un incident. Alors, on va ranger de partout. C'est un incident de parcours. Voilà, on va essayer de faire vite sur la plage. Si vous voulez avoir plus de place, asseyez-vous. Des tas de petites astuces pour avoir plus de place. Vous avez une bouteille avec du vinaigre. Vous enfilez dedans, mettez-le. Ça va. Mettez-le. Ça va. Vous mettez dedans votre détonateur. Donc. Ne touchez pas du dos à moi. Dedans. Donc, on met le détonateur dedans. Mais qu'est-ce qui pète là? C'est pour avoir plus de place sur la plage. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, ça va péter. Ça va péter? Non, c'est vers nous. Non. Alors. Et ça marche pas. Si, ça marche. Vous avez des détonateurs. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous mettez le détonateur. Dedans? Voilà. Mais on a compris. Vous mettez le détonateur. Et puis ça fait quoi? Ben, c'est pour avoir plus de place sur la plage. Et j'allume pas. Non, vous fermez doucement et vous le posez par terre. Vous pouvez bien. Il y a aussi, c'est pour ceux qui sont plus loin, allez-y pomper, vous avez une pompe à vélo. Vous avez aussi. Alors, pomper. Alors. Mais d'où ça vient, ça? Bah, c'est, non, mais ça. Oh, mais ça, pas, Sophie. Pomper. Professeur, non, s'il vous plaît, merci beaucoup. Professeur alors, Ivar, vite, une dernière chose, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, ça part. Si c'est plus loin. C'est parti, vous êtes en fait. Voilà. Allez-y. Attention, ça fait mal au. Si c'est encore plus loin. Allez-y, professeur. Voilà. Vous avez ça? Ah bah, il y a de l'eau, évidemment. Attention, professeur. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, c'est l'antibronzant. Vite, les sœurs Bormann. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Ivar, le professeur Ivar. Ah, il y avait aussi.
Il y avait aussi le A. Ah, il est cinglé, celui-là. Pardon. Ça s'est déclenché tout seul. Ouais, ça nous laissait en bord même. Laissez en bord même, même messieurs, applaudissements. De toute façon, c'est très glissant. Très glissant. Très glissant. La musique. On va faire la danse l'été. Attends. Allez. Yeah. Ok, voilà, c'est comme ça. Là. Ok, là. Regardez-moi ça. Ok, on est prêt. Ok, attends, avec les pieds. Ok, ok. Allez, attends. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour la sœur Norman. Bravo les filles. Bravo les garçons. Où est-ce que vous pouvez rester avec nous. Restez avec nous, bien sûr, les filles, car... Parce que maintenant, puisqu'on n'a pas le distributeur à Marcassin, tant pis. Ben si, on a le distributeur à Marcassin, monsieur, ou pas. Non, c'est la graine. La graine à Marcassin, c'est pas grave, on l'a pas. Une autre fois. Eh ben, je voulais qu'on accueille, peut-être pour terminer. Mesdames, messieurs, nous allons accueillir fort chaleureusement Alain, soyez-vous prêts. Je suis prêt. Soyez-vous prêts. Je soyez prêts. Soyez-vous prêts. Mesdames, messieurs, Charlie, yes. Et toute l'équipe. Et Charlie. Et prends la mienne. Ouais, la sonné. Mais oui. Ça signifie. Mais oui. Deux ans ont passé. Deux ans à peine. Mais oui, c'est fini. Nous allons chanter. C'est la dernière. Vous pouvez chanter. Chez vous aussi. On rit même si. Notre cœur se serre. Mais oui. Coucou, c'est fini. Donne-moi ta main. Et prends la mienne. Ça signifie. Nous avons passé. Deux ans à peine. Applaudissements pour ici. Ah. Et merci à Massimo Manganaro, Didier Frolli, Jérôme Romand, Pascal Didier, Pierre Morel, Frédéric Métivier, Sophie Gazion, Nathalie Gaston et tout le monde. Et Mme Picard, merci beaucoup Mme Picard. Et Monsieur Benano et tout le monde, et bravo. Et Alain Chabat, s'il vous plaît. Et Élie, s'il vous plaît. Et Patrice Camus, mesdames, messieurs. Et Franck Schlesinger, qu'on en retrouvera les sœurs Norman. Et tout le monde, et Sophie Portail, et Anne-Béatrice, et Sophie Brami, et Charlie, et Monsieur Ruine, et tout le monde, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ces deux ans sont passés très vite. On espère vous retrouver très bientôt. Comptez sur nous, en tout cas, passez une bonne soirée. Cet été, amusez-vous bien. Soyez prudents, soyez heureux, et surtout, sortez couverts. Les filles, on vous embrasse. Les garçons, on vous salue. Merci beaucoup. À la Shabbat, bye bye. Au revoir. Mesdames, merci beaucoup. J'espère qu'on se sera bien amusé, vous et nous, pendant deux ans. Et c'était super, vous avez été comme ça, et merci beaucoup. Et à bientôt, c'est sûr. Bye bye. Applaudissements pour Alain Chabat, Elie et Patrice, merci et les autres. Portez-vous bien tous autant que vous êtes. Salut.
On s'est bien éclaté le cul et on recommencera. Salut. Messieurs, puisque vous insistez, toute l'équipe ici présente avec vous réunie, on va tous se refaire la chanson, les gars. Alors, sur les écrans, vous allez pouvoir lire les paroles. Il faut que tout le monde se remette en place. Attends. On n'a pas les écrans, on n'a rien, là. On n'a rien. Attention, mise en place, les fiches, les micros. Patrice est déjà en train de se faire ploter par les Sorbonman. On arrive, les gars, on arrive. Tout le monde est prêt si on peut avoir le retour à l'écran. Ok, on me dit oui. Quelqu'un de la technique peut me dire oui. S'il vous plaît. Allons-y, on avance tout le monde, s'il vous plaît. Attention, c'est parti. Charlie, en tête. À la chamane. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Et prends la mienne. Ça signifie. Nous avons passé. Deux ans à peine. Mais oui. L'école est finie. Coucou est fini. C'est comme ça. Super là-haut, merci beaucoup. Caresse aux enfants et aux filles, bye bye, ciao.